Et on nous fait signe que nous voulons être live sur Facebook. Et voilà. Ok, voilà, nous sommes live sur Facebook. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fortifie encore ce matin par sa grâce afin que nous puissions, n'est-ce pas, lui rendre grâce et faire un culte qui lui soit raisonnable, qui lui soit agréable et qui nous procure beaucoup de bénédiction. Et c'est le premier dimanche du mois. Je voulais que tu te consacres, très chers frères et sœurs, partout où vous êtes, consacrez-vous à dédier ce mois entre les mains du Seigneur afin qu'ensemble nous puissions obtenir les nombreuses grâces qu'il dispose pour ce mois. Parce que le Seigneur est l'auteur de la vie, c'est lui le maître des temps. Et le maître des circonstances. Amen. Amen. Donc, je t'invite à te joindre avec nous avec beaucoup d'aspiration et beaucoup de zèle parce que le Seigneur, notre Dieu, est le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui nous fortifie et le Dieu qui nous bénit. Que la gloire lui soit encore rendue. Amen. Amen. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 le ciel dit que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, oh, digne, digne, le ciel dit que tu digne, 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 la terre dit que tu es digne, digne, le ciel dit que tu es digne, digne, la terre dit que tu es digne, digne, le ciel dit que tu es digne, 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 la terre dit que que tout soit pour sa gloire, nous allons lui dire merci et lui témoigner de notre reconnaissance, de notre gratitude. En tout cas, je t'invite, bien-aimé, de tout cœur, remercie le Seigneur, prends ce temps pour répandre ton cœur devant le Seigneur, lui rappeler tous ces bienfaits qu'il a accomplis dans ta vie le long du mois et l'occasion pour toi de lui reconnaître, de reconnaître son amour, de reconnaître sa puissance, de reconnaître sa protection, de reconnaître toutes ses œuvres dans ta vie ainsi que dans ta famille. Prions au nom de Jésus. Seigneur,
Seigneur, merci. Nous venons ce matin, notre Père. Nous venons ce matin, notre Dieu. Nous venons ce matin, notre Roi, pour bénir ton nom. Pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Pour tout ce que tu as accompli, le Roi de gloire. Nous te remercions, notre Roi. Nous te remercions, notre Seigneur. Nous te remercions, notre Dieu. Merci, mon rocher. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tes merveilles, Seigneur. Merci pour tes grâces, Seigneur, que tu renouvelles à chaque fois, à chaque matin dans nos vies. Nous te disons merci, mon Dieu. Nous te célébrons, le roi de gloire. Nous te exaltons, Jésus. Tu es digne d'être élevé, mon Dieu. Nous te célébrons pour te merveilles. Nous te célébrons, Seigneur, pour ton glorifier. Tu es digne d'être élevé, Emmanuel. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Merci de ce que tu as fait. Tous les mois de chier, Seigneur, tu étais là au cœur de nos vies. Tu étais là, ô Seigneur, dans toutes nos activités. Merci, le roi de gloire. Merci, le Dieu de puissance. Merci, éternel Dieu d'amour. Merci, le Dieu protecteur. Merci pour ta main éternelle. Jésus, tu nous as protégés. Oui, reçois la paix. Oui, reçois la magnificence. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'exaltons, le roi de gloire. De ce que tu puissions te bénir, que nous puissions te célébrer, que nous puissions te célébrer. Qui est comme toi, Emmanuel? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Tu vis pour toujours, éternel. Nous te célébrons, le roi de gloire. Nous te célébrons pour ta main, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons pour ton soutien, éternel. Merci pour ton intervention divine, Jésus. Merci pour tes bontés, éternel. Nous te célébrons, Jésus. Nous te exaltons, le roi de gloire. Le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui nous fait divers. Le Dieu qui nous a adoptés. Laissez-les pour l'éternel. Seigneur, reconnaître encore sa sainteté ce matin dans ta vie. Amen. Et qu'il te vienne au secours, qu'il te sanctifie, qu'il te lave, que le Seigneur purifie l'endroit où tu te trouves. Amen. Que le sang de Jésus lave l'endroit où tu te trouves. Amen. Afin que ce culte soit un parfum de mon odeur. Amen. Que tu offres au Seigneur de tout ton être. Amen. Que le Seigneur sanctifie ton corps, ton âme ainsi que ton esprit. Amen. Et que tout ton être lui soit agréable ce matin, afin que tes prières soient exaucées et que tu voies sa main dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Jésus.
Oh Seigneur, nous nous soumettons devant toi. Nous venons devant ta sainteté, oh notre Dieu. Nous venons devant ta gloire, oh notre Dieu. Toi qui parles de toutes les iniquités. Toi qui sondes nos cœurs et nos reins. Toi qui nous découvres tels que nous sommes. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons venir devant ta sainte présence. Nous voulons venir devant, Dieu de gloire, ta grandeur, Seigneur. Dans ton sanctuaire, tout ce qui est gloire. Nous venons, Dieu de cet été, pour Seigneur, réclamer ta grâce. C'est Dieu qui pardonne le péché. Toi qui nous pardonnes, toi qui nous laves, toi qui nous sanctifies. Pardonne-nous, pardonne tes enfants. Pardonne-nous, Dieu de gloire, mes frères et sœurs, pour que toutes les consciences soient, oh Dieu de gloire, tranquille, sois saint. Pour la basse de Seigneur. Devant toi que nous avons péché, que nous sommes liés de gloire des pécheurs et nous venons nous humilier devant toi. Que ta grâce nous affecte encore ce matin. Amen.
au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton amour se révèle dans toute sa grandeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et que toutes nos consciences soient pures au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que personne ne soit accusé devant toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu au Amen. Nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez l'amour du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, agrée la présence de mon bien-aimé dans ta présence. Amen. Au devant de toi, agrée-nous comme un peuple qui t'aime. Et devant de toi, agrée-nous comme des enfants bien-aimés. Amen. Ouvre-nous tes mains, Seigneur, et accueille-nous avec beauté. Amen. Fais luire ta face sur tout un chacun de nous et manifeste tes merveilles à nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te dédions ce culte, Dieu le Père. Nous te dédions ce culte, notre Seigneur. Amen. Et que ta grâce soit manifeste. Oh, Père de gloire, mets un nouveau sourire dans nos lèvres ce matin. Et que nous ne puissions pas sortir de la même manière que nous sommes venus devant toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Libère-nous, ô Dieu de gloire, avec des innombrables grâces. Amen. Pour ta gloire. Amen. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, commence à élever Jésus. Commence à le glorifier, commence à le célébrer parce qu'il est là avec toi. Il est là présent dans ton salon. Il est là présent partout où tu nous accueilles. Fais de cet endroit un endroit de culte. Élève Jésus parce que c'est lui le Dieu que nous invoquons ce matin. C'est lui le Dieu que nous célébrons. Son nom Jésus est au-dessus de tout autre nom. C'est lui que nous célébrons de tout notre cœur. C'est vers lui que nous rendons un culte. C'est vers lui que nous rendons des actions de grâce. Et c'est lui que nous offrons ces instants au nom de Jésus. Élève Jésus. Nous élevons celui qui vit dans Janage. Nous élevons le Dieu de toute éternité. Nous élevons le Seigneur de notre salut. Jésus soit béni. Jésus soit célébré. Jésus soit exalté. Ce matin, ô Père éternel, nous élevons Jésus. Nous élevons le roi des rois. Nous élevons le Seigneur des seigneurs. Nous élevons le Dieu des cieux. Nous élevons le Dieu magnifique. Nous élevons les dieux merveilleux. Nous élevons le Père véritable. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. Fidèle Jésus. Le roi de gloire. Le roi compatissant. Le rocher de notre salut. Le Seigneur des grâces. Oh, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la magnificence, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Nous te lèvons dans nos âmes. Nous te lèvons dans nos esprits. Nous te lèvons dans nos maisons. Nous te lèvons maintenant. Prends la place du roi. Règne dans ce culte. Règne les dieux éternels. Règne les dieux de beauté. Règne le Seigneur de l'univers. Règne les dieux magnifiques. Règne les dieux glorieux. Au nom de Jésus. Oui, règne. Règne, règne notre Dieu. Règne notre Père. Règne notre roi. Sois glorifié au milieu de nous. Sois magnifié au milieu de nous. Sois célébré parmi nous. Ô Seigneur, nous t'offrons, Dieu de gloire, ces instants. Nous te dédions ces instants. Nous te dédions ce culte. Et nous dédions nous-mêmes à toi. Toi, le rédempteur de nos âmes. Toi, le Dieu de nos esprits. Toi, le Seigneur qui règne dans nos vies. Oh, nous voulons, Père éternel, que tu prennes la place du roi. Que tu règnes effectivement. Et que ta gloire nous affecte. Prends. Sois Seigneur, de te glorifier, d'élever ton grand nom. Manifeste-toi, le roi de gloire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous les noms éternels. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté, Jésus. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Sois rempli du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu envahisse l'endroit où tu te trouves. Sans la
présence de Dieu, la présence glorieuse de ton Seigneur là où tu es, et que tu remportes une victoire ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Tu pries au nom de Jésus. Viens, l'Esprit de gloire, Randekemeyaba. Il s'en est l'acclamation de ton Yaba. Que tes lèvres sans Meyabarasanta. Que ta gloire, que ton onction se répande, Seigneur, sur tous mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Que partout où ils sont, Seigneur, partout où on fait ce culte avec nous, que ton onction se manifeste. Tout est le plus attaché, mais du diable.
Aïe, les stratagèmes du diable, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les forces et nos positions qui s'opposent à la sainteté de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que cela n'ait aucune part, aucune loi dans cette vie. Tout ce qui n'élève pas Jésus, tout ce qui n'élève pas Jésus, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Nous chassons tout esprit méchant, loin de nous au nom de Jésus, loin de nous au nom de Jésus, loin de ce lieu au nom de Jésus. Rabassaka marabayaba, je brise au nom de Jésus, tout ce qui n'élève pas Jésus, que ta gloire se manifeste, que ta gloire au Dieu de gloire soit effective, que ta grâce au Dieu de gloire. Inonde-nous ce matin par le Saint-Esprit. Viens, inonde les joies nos cœurs. Viens nous fortifier ce matin. Viens, ô éclairer nos âmes, Seigneur. Viens éclairer nos vies, Seigneur. Viens, toi le soleil levant, toi le soleil de la justice. Viens éclairer toutes nos âmes. Viens éclairer toutes nos vies. Viens éclairer tous les aspects de nos êtres. Au nom de Jésus, et révèle ta gloire. Révèle ta gloire ce matin au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit anéanti ce matin. Tous les projets de l'ennemi soient annulés ce matin, au nom de Jésus. Que ta puissance soit manifeste. Que ta puissance soit manifeste. Que ta gloire se révèle, Seigneur. Par des exploits, par des grands miracles, par des prodiges en notre Dieu. Au nom de Jésus, exauce tes enfants. Exauce tes enfants. Exauce au Dieu de gloire des enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que ta grâce se révèle, Père. Que ta gloire se révèle avec éclat. Au nom de Jésus. Que ta gloire s'indique par les prodiges au milieu de nous. Au nom de Jésus. Bandera secle de Stama. Ikabara Santa la Kama Koto. Ibere de Sam de Stama Rabaya Koto. Ibra Sake Yenge de Rabaya Santa. Bostoro Boya Kete la Kanta Mabaraba. Nous élevons Jésus au-dessus de tout au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, qu'il se souvienne de toi ce matin. Amen. Que le Seigneur vienne essuyer tes larmes ce matin. Amen. Qu'il vienne consoler ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éclairer toutes les ténèbres de ta vie. Amen. Oh, qu'un nouveau soleil se lève dans ta vie. Que tu vois une nouvelle aube au nom de Jésus. Ramasaka Kabaraba. Je vois les ténèbres se dissiper dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Dieu très haut. Amen. Et il se lève maintenant un nouveau soleil. Amen. Un cantique nouveau commence à fredonner dans ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois les bénédictions du très haut. Amen. Commence à dédier ce mois d'août. Amen. Commence à remettre tes rêves, tes ambitions entre les mains du Seigneur. Prie que le Seigneur te sécurise le long de ce mois. Qu'il te donne encore la victoire contre cette maudite pandémie qui circule, contre toutes les stratagèmes du diable, les projets de l'ennemi, contre les projets de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux qui prônent la malédiction contre toi, contre ta famille, contre tes entreprises. Commence à élever Jésus, commence à proclamer la victoire et bénisse-moi au nom de Jésus-Christ. Lève le roi de gloire. Oh, de la basse, que mes lames. Sois le soleil qui se lève au lieu de voir ce matin. Illumine tout le reste du mois. Je confie entre tes mains le projet de ma famille, le projet au lieu de voir de mon âme. Oh, le projet de l'IMA. Seigneur, règne encore le mois d'août, Seigneur. Nous voulons consacrer ce mois à ta gloire. Nous voulons dédier ce mois au Dieu de gloire. À toi, le Seigneur des armées. Nous voulons, Seigneur, te reconnaître dans toutes ces faisons, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos ambitions. Prends soin de nous. Préserve-nous. Protège-nous. Garde-nous au Dieu de gloire. Soutiens-nous par ta gloire, par ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, au secours de nos êtres. Viens au secours de nos
Viens révèle tes merveilles. Viens révèle, Seigneur, ton soutien. Au nom de Jésus. Soutiens-nous. Seigneur, nous avons besoin de ta protection sur moi, tout éternel. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton appui. Ne t'éloigne pas de nous, Jésus. Ne nous abandonne pas, c'est moi, au Dieu de gloire. Marche devant nous. Précédez-nous, Seigneur, dans toutes nos rencontres, dans tous les défis de ce mois, dans toutes nos aspirations, dans toutes nos ambitions. Ne permets pas que nos pieds chancèlent. Oh Dieu de gloire, prends soin de nous. Nous voulons nous confier en toi, car il est écrit, ceux qui tournent vers toi les regards ne sont jamais confondus. Seigneur, nous abandonnons notre sort entre tes mains. Toi, le roi immortel, toi, le Dieu tout-puissant, toi, le bon berger, toi, le Dieu des cieux, nous nous confions en toi. Le Seigneur des grâces, le Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Marche avec nous, éternel. Nous abandonnons entre tes mains. Combat pour nous, Jésus. Donne-nous la victoire. Notre rocher. Conduis-nous, c'est moi, Seigneur. Dirige-nous dans tes sentiers. Révèle-toi de manière permanente à nous. Seigneur, nous voulons plus et Seigneur, rapporter. Oh Seigneur, échouer de la même façon. Au nom de Jésus. Oh Jésus, nous abandonnons entre tes mains éternelles. Nous comptons sur ta main, Jésus. Nous comptons sur ton intervention, Jésus. Nous comptons sur ton soutien éternel. Sois notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, oh, sois notre protecteur, Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Tu es le Dieu de nos victoires. Tu es l'auteur de nos vies. C'est toi l'auteur de nos succès. Oh, tu es l'artisan de nos destins. L'auteur de notre paix, Jéhovah Shalom. L'auteur de notre joie, Dieu éternel. Elion règne, Seigneur. El Shaddai règne, Père. Jéhovah Nissi règne. Tu es notre étendard. Tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse. T'élèves sur ces mois. Précède nos vies, Seigneur. Précède nos jours, oh Dieu de gloire. Et donne-nous ta victoire. Assure nos arrières. Et éclaire nos sentiers. Éclaire nos sentiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il se manifeste dans tes projets. Trouve-les dans tes sentiers au nom de Jésus. Que ces anges t'entourent le long de ces mois au nom de Jésus. Que le Seigneur assure ta victoire. Que du haut de son trône, il assure ton succès au nom de Jésus. Que là où tu as failli ces mois, les mois passés, que ces mois tu obtiennes la victoire. Que à l'endroit même où on t'a refusé, on t'a rejeté, que ces mois on t'accueille avec les acclamations. Qu'on t'ouvre grandement les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur aplanisse tes sentiers. Et qu'il confonde tes ennemis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il tombe dans leur propre piège tous ceux qui en veulent à ta vie. Et à la vie de, ta famille au nom de Jésus. Oh, que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de tes pas. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois préservé de toutes maladies. Préservé de tout accident et incident. Au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à ton côté. Que 10 000 tombent à ta droite. Que tu ne sois pas à terre au nom de Jésus. Et avec tes yeux, que tu contemples la chute de tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que c'est moi, le Seigneur te fasse jubiler et que tu jouisses de ces béatitudes au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le Dieu des béatitudes.
qu'il béatifie ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je t'établis dans le confort de ta destinée au nom de Jésus. Sois inébranlable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois redoutable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que devant tes ennemis, qu'ils tremblent devant toi, qu'ils tombent devant toi. Amen. Et que l'on témoigne que tu es un enfant de Dieu. Amen. Que tu es le béni de celui qui vit d'âge en âge. Amen. Gloire au Jésus. Amen. Gloire au Seigneur de gloire. Amen. Gloire au Dieu très haut. Amen. Gloire au Père Tout-Puissant. Amen. Ainsi soit-il, tous et moi, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nous marcherons de gloire en gloire. Amen. Nous marcherons de victoire en victoire. Amen. Nous allons témoigner les œuvres de notre Dieu. Amen. Et nous resterons dans les concerts des vivants. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Amen. Si tu le reçois, dis Amen. Amen. Et de tout cœur, acclame le Seigneur ton Dieu. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je suis encore très fortifié et très content de savoir que vous êtes là ce matin. Vous qui nous suivez depuis Facebook, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et vous qui êtes là sur Zoom, manifestez-vous. Ouvrez vos caméras et soyons ensemble parce que nous voulons encore partager la parole de Dieu ce matin. Donc, présente-toi dans la table du Seigneur, Amen. N'est-ce pas, pour goûter au mets succulent qu'il dépose dans sa table en faveur de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu ne sois privé d'aucun bien, que tu ne sois privé d'aucune grâce, que tu ne sois privé d'aucune faveur au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te fortifie par le Saint-Esprit, qu'il te donne le courage et la perspicacité pour que tu résistes le long de ce culte. Vous savez, bien aimé, nous sommes en train de traverser une période très critique de l'histoire de l'humanité et à cause de cette pandémie. Vous voyez, nous ne sommes plus capables de nous rassembler dans les églises, dans les bâtiments. Mais comme j'ai toujours dit, l'église fonctionne. Ce sont les bâtiments qui sont fermés. Mais l'église fonctionne. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de tenir nos cultes. Et tout se passe normalement, par la grâce du Seigneur. Alors que la Bible dit que ceux qui sont forts fortifient ceux qui sont faibles. Vous savez, pour tomber dans la foi, pour faire naufrage dans la foi, ce n'est pas difficile. Ça n'a jamais été difficile. Vous pouvez déjà disparaître en tant que chrétien, sans même vous rendre compte. Il faut faire attention. Est-ce que vous pouvez voir un peu quel est votre état de chrétienté pour l'instant? Petit, mon frère, petit, ma soeur, de façon sincère, t'évaluer. De façon personnelle, où est-il? Par rapport à la foi, tu es où? Quelle est ta température devant le Seigneur? Comment est ta vie de la prière? Comment est ta relation personnelle avec Dieu? Comment est ta vie de méditation de la parole de Dieu? Tu risques de te berner ou bien de te faire bercer par des illusions. Le diable va commencer à fortifier ta conscience sur des bases qui ne sont même pas bibliques. Tu peux dire que l'église, c'est mon cœur. C'est faux. C'est faux. Si l'église est ton cœur, pourquoi tu n'invites pas les gens dans ton cœur? Pour faire l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Détrompe-t-il.
Détrompe-toi-même. C'est difficile de se maintenir dans la foi. Ça n'a jamais été facile. Le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce sont les efforts que tu dois fournir. La Bible dit, celui qui tiendra, qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La persévérance est requise, alors sans limite. C'est jusqu'à la fin que le Seigneur te dit de persévérer. Pas jusqu'à un certain moment. Le corps ne te reprochera jamais de ne pas avoir prié. Au contraire, la chair va te fortifier dans ta faiblesse. Il va te dire, tu viens du boulot, repose-toi. Il va te donner des raisons pour procrastiner dans les choses de Dieu. Fais attention. Je t'exhorte de t'occuper de ta propre foi en cette période très difficile. Il y en a qui sont forts lorsque nous sommes ensemble dans les cultes et dans les églises. Il y en a qui ont même oublié qu'il faut donner leurs offrandes, il faut donner leurs dîmes. Ce n'est plus une notion qu'ils ont dans leur tête. Vous êtes devenus comme des païens, alors que ce n'était pas dans tes habitudes. Tu as développé ça maintenant. Et tu ne t'inquiètes même pas. Même lorsque tu te réveilles le matin, tu n'y pries même plus. Le soir, tu t'endors comme un cochon. Excusez le terme. Et tu manges chaque jour, du 1er au 30 du mois. Tu n'as même pas un programme de jeûne. Est-ce que tu es toujours chrétien? Pose-toi cette question. La vie chrétienne, c'est une vie. Il y a des facteurs qu'on observe si tu es encore chrétien. Des paramètres qui ne trompent pas. Mais tes yeux commencent à être floués et tu ne te rends pas compte que tu es déjà loin du Seigneur. Attention. Je te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et si vous vous sentez que vous êtes fort, souvenez-vous, il y a peut-être des frères, il y a peut-être des sœurs qui ne le sont plus. Prenez soin de les fortifier. Amen. Appelez-les. Allez les rendre visite s'il n'y a pas de barrière entre vous deux. Et lorsque vous les rendez visite, ne vous bercez pas dans les causeries du monde. On connaît tout ce qui se passe actuellement. Mais parlez des choses qu'on ne connaît pas. Les choses d'en haut. Amen. Amen. Les choses que le monde ne dit pas. Fortifiez ceux qui sont fatigués. Parce que nous sommes déjà au mois d'août. On dort, on se réveille, les jours passent. Et celui qui va venir ne tarde pas à revenir. Parce que les jours approchent, les jours avancent. Nous avançons et son temps approche davantage. Les signaux de sa venue ne sont plus à douter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons aller directement dans la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avions commencé une série que nous avions ouvert les dimanches passés par la grâce du Seigneur. Nous étions en train de parler de la vie, de notre vie comme un arbre. Nous avions tiré cet enseignement dans les livres de Jérémie. Nous allons encore lire ces passages, ces versets qui constituent le socle de notre méditation de cette série. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Dans le chapitre 17, nous allons commencer à partir du verset 5. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur.
Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, nous avions fait voir cette métaphore que l'image, les images qu'on nous présente dans cette prophétie de Jérémie, c'était au fait la catégorie des gens dans le monde. Nous disons qu'il y en a qui se confient à des hommes, qui mettent leur confiance à leur famille, à leurs membres de famille, à leurs amis, à leurs relations, aux personnes qui les entourent et qui s'appuient sur la chair, c'est-à-dire sur les biens matériels. Il y en a qui s'appuient sur leur compte en banque, il y en a qui s'appuient sur leur business, il y en a qui s'appuient sur leur projet ou bien sur leur renom, sur leur diplôme, etc., etc. Et la Bible dit que ces gens-là sont des malheureux parce que ces choses-là déçoivent. Ce ne sont pas des choses éternelles. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur ça. Et maintenant, la deuxième volet ou la deuxième image, est celui du verset 7. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comment? Comme un arbre planté près des eaux. La Bible dit, et qui étend ses racines près des courants. C'était un détail très important. L'arbre qui étend ses racines près du courant. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter des fruits. C'est là qu'a été notre focus. Nous avions dit que nous, étant que chrétiens, nous sommes ceux-là qui mettent leur confiance en l'Éternel, qui mettent leur confiance ou leur espérance dans le Dieu Tout-Puissant. Et notre vie ressemble à un arbre planté près du courant d'eau. C'est ce que la Bible dit. Dis-moi amen. Amen. Et donne-moi ton attention. Amen. Vous savez, les choses que j'ai toujours dit et je les répète, je les répéterai aussi longtemps que je serai avec toi. Les choses que la Bible affirme, la Bible dit en affirmatif, c'est ce qui doit se manifester dans ta vie. Amen. Parce que c'est ça notre héritage. Amen. C'est de cette manière que Dieu veut nous voir. Amen. Dieu nous considère, nous qui mettons notre espérance en lui, comme des arbres planté près des courants d'eau. Amen. Cela veut dire, quand ta vie n'est pas productive, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit constituer un sujet d'inquiétude pour que tu cherches Dieu. Parce que c'est telle est la volonté de Dieu, tel est le point de vie pour toi. Tu es censé prospérer, tu es censé produire, porter des fruits, tu es censé progresser. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme une plante. Tu es comme une plante, un arbre planté près des courants d'eau. Est-ce que telle est la réalité de ta vie? Est-ce que telle est l'image de ta vie? Maintenant, tu dois te rendre compte si ce n'est pas ça le cas. Voilà pourquoi nous développons ces facteurs pour que finalement, tu commences à examiner
un arbre planté près des eaux, pourquoi tu ne produis pas de fruits? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Et à partir de cet exposé, tu vas connaître par où il faut t'appuyer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réalité devienne la réalité de ta vie. Tu comprends? C'est ça le but de notre discours ou de cet exposé ou de cet enseignement, de cette prédication. Prenez ça comme tu le veux. Nous te donnons des outils qui te permettent d'utiliser ces outils-là afin que ta vie soit conforme aux vérités des Écritures. Et c'est tel que Dieu veut te voir en réalité. Amen. Écoutez, ce n'est pas des fictions. Ou bien, c'est alors que Dieu est fictif. Si Dieu est vivant, sa parole doit être vivante, doit être manifeste. Nous reconnaissons et nous acceptons que la parole de Dieu est la vérité. Cela veut dire que la parole de Dieu ne trompe pas. Amen. 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 Et nous avions dit ceci. Lorsque vous regardez un arbre, vous observez un arbre, l'arbre, nous avions dit, a deux parties. Une partie visible, c'est-à-dire les troncs, les étapes, les feuilles et les fruits. Il y a une partie que nous ne voyons pas, qui est souterraine. C'est là qu'il y a les racines. Et nous avions dit, la survie des plantes, la survie de l'arbre, ne dépend pas de la partie extérieure. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Amen. La survie de la plante ou la vie de la plante dépend de la partie cachée, c'est-à-dire de ses racines. Notez ceci, ces observations. Je voulais vous donner quelques observations que nous avions faites et ça peut t'aider dans ta réflexion. La première observation, nous avions dit que les racines déterminent la stabilité et la durabilité de la plante ou de l'arbre. L'arbre est stable. L'arbre dure par rapport à ses racines. Si les racines sont profondes, si les racines sont solides, l'arbre peut résister au vent. L'arbre peut résister aux intempéries. Et l'arbre a la chance de durer longtemps. Parce que il peut résister aux intempéries. Il peut résister aux attaques. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sa solidité, sa durabilité? Ce sont les qualités de ses racines. Nous disons aussi que les racines engagent la plante dans le sol. Deuxième aspect. Les racines font quoi? Elles engagent les plantes ou l'arbre dans le sol. Pour que tu sois fixé, l'arbre soit fixé dans le sol. Ce sont les racines qui l'engagent. Troisième aspect, ou troisième point, les racines absorbent les minéraux et les liquides pour nourrir la plante. Les racines puisent dans les profondeurs de la terre les nutriments nécessaires pour la croissance de la plante, pour la survie de la plante et pour la gloire de la plante. Quatrième point, les racines accumulent les ressources pour plusieurs jours, plusieurs mois, même plusieurs années. Les racines ont aussi la capacité d'accumuler, n'est-ce pas, des ressources pour plusieurs jours, pour plusieurs
moi pour plusieurs années. Les racines font des réserves de nutriments pour la plante. Donc, à un certain moment, lorsque vous allez, par exemple, dans les pays tropicaux, dans les régions tropicales, vous allez constater que en saison sèche, tout est sec. Mais la plante survit. La plante n'est pas morte. L'arbre n'est pas mort malgré la sécheresse. Pourquoi? Parce que les racines ont eu à réserver les substances nécessaires pour que la plante résiste même pendant 3 mois de la saison sèche. 5e point. Les racines supportent l'association des autres racines sous la terre dans un même endroit. Lorsque vous regardez les plantes, dans l'espace où la plante est, il n'y a pas que les racines de cette même plante. Il y a aussi d'autres racines qui viennent, qui s'entrecroisent dans les sous-sols. N'est-ce pas? Et les racines supportent ces associations-là. Elles ne discutent pas entre elles. Elles ne discutent pas entre elles, mais elles se supportent mutuellement. Au 6e point, je voulais dire, les racines créent le sol. Elles créent le sol. Je vais expliquer comment. Lorsque les racines s'enfoncent dans les sols, elles peuvent rencontrer la résistance. La résistance devant les rochers ou devant les pierres, qu'est-ce que les racines font? Elles transforment ces pierres-là en sol. Elles libèrent des enzymes qui broient même les rocs. C'est pourquoi vous allez voir même sur un roc, sur un rocher, la plante peut sortir. Amen. Et elles vont puiser des minéraux qui sont dans ces rocs-là, ces minéraux qui sont nécessaires aussi pour la survie de la plante. Pourquoi nous décrivons tout ça, l'importance des racines? Parce que la vie chrétienne est comparée aussi à un arbre. Jésus-Christ a donné une illustration en parabole lorsqu'il parle de la foi qui soit fondée sur les rocs. Il dit qu'il y a des personnes qui ont bâti leur maison. Le premier a bâti sur le sable. Quand la pluie est venue et le vent a soufflé, cette maison-là est tombée et sa ruine était catastrophique. Le second a bâti sur les rocs. Les vents ont soufflé. La pluie est tombée. La maison-là a résisté parce que sa fondation était bonne, était solide. Amen. Et on tire une leçon par rapport à ça. Il faut bâtir ta foi sur des bases solides. Lorsque vous regardez la maison, la fondation est invisible. On ne voit pas la fondation. La fondation est dans les sous-sols. Mais c'est la fondation, c'est elle qui soutient toute la structure de la maison. Les murs, les fenêtres, les portes et même les meubles qui sont là. Tout l'équilibre de la maison tient par sa fondation. Même avec la plante, les racines soutiennent la plante, fait que la plante tienne. Et nous disons ceci. Notre vie, nous avons une double vie. Nous sommes un être avec une dualité. C'est-à-dire, nous sommes un être spirituel et nous sommes en même temps un être physique. Ce que nous voyons tire son effort, tire sa résistance
tire sa gloire dite spirituelle de ce qui est caché. Et ici, lorsque nous parlons des racines, nous voulons te donner la connaissance des racines spirituelles qui feront que ta vie spirituelle soit solide afin que ta vie physique, ta vie matérielle puisse refléter la même gloire que ta vie spirituelle. Alors, tu as besoin de bonnes qualités de racines. De bonnes qualités de racines, les racines de bon état, les racines en bon état et qui sont profondes. Qui est notre sol? C'est Dieu. Nous sommes enracinés en Jésus. Enracinés en Dieu. C'est de lui que nous tirons toute notre substance. C'est de Dieu que nous tirons toute notre gloire. C'est de Dieu que nous tirons toutes nos racines, toute notre survie. C'est de Dieu. Alléluia. Et la première racine que je voulais énumérer aujourd'hui, c'est la racine qu'on appelle la foi. Écoutez bien, aimé. Il y a trois racines principales dans le domaine de la foi. Nous allons lire un passage pour essayer d'élucider ça dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Je disais, nous allons lire les derniers versets, ou les versets 13. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. La Bible dit que ces trois choses demeurent. Ce sont les racines principales que nous allons développer peut-être dans cette série. Pourquoi? Parce que ces racines sont des racines éternelles. Tout peut passer. Dans le chapitre 13 du 1 Corinthiens, lorsque vous allez lire, vous allez voir qu'on est en train de parler de l'amour. L'apôtre Paul est en train de comparer l'amour aux prophéties, aux dons spirituels. Il dit, je peux parler en langue, je peux voir les dons, avoir les dons de la révélation, je peux avoir ceci ou cela, les dons des miracles, la possibilité d'opérer dans les surnaturels de façon la plus étonnante. Mais si je n'ai pas l'amour, après avoir parlé de tous ces facteurs-là, vous allez lire dans la maison, tous les chapitres 13, il conclut ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des vertus éternelles, des vertus que nous aurons besoin jusqu'à l'éternité. Amen. Ce ne sont pas importants ces vertus ici, non pas seulement pour la vie présente. Nous aurons la foi même à l'éternité. Amen. Nous allons à espérer même dans l'éternité. Amen. Yes. L'amour sera dans nos cœurs jusqu'à l'éternité. Hallelujah. L'amour ne peut pas disparaître. Amen. La foi ne va pas disparaître. Amen. L'espérance ne disparaîtra jamais. Amen. Note ça dans ton carnet quelque part et note ça dans ton cœur. Amen. Ce sont des racines pivotantes, des racines très, très importantes. Amen. Leur qualité dépend de toute ta vie chrétienne. Amen. Et toute ta marche. Amen. Amen. C'est très important. C'est de la qualité de ces racines. Quelle est la qualité de ta foi? Quelle est la qualité de ton espérance? Et quelle est la qualité de ton amour? De ces trois choses dépendent
toute ta vie chrétienne. Dépend de ton ministère. Dépend de ces trois choses, dépendent les dons spirituels qui sont en toi. De ces trois choses dépendent ta vie chrétienne dans tous les aspects. Tu peux commencer à énumérer ces aspects-là. Toute notre vie chrétienne dépend de ces trois racines. Amen. Et lorsque ces racines sont solides, lorsque ces racines sont en bonne santé, lorsque ces racines sont bien entretenues, elles vont produire des choses étonnantes dans ta vie. C'est à partir de ces racines que tu vas puiser le nécessaire de ta vie spirituelle, le nécessaire même de ta vie physique. La foi te permet même d'être guéri par tes maladies, de possibiliser les choses qui sont impossibles. La foi te permet de monter dans les dimensions que tu n'as jamais pensées. Et l'espérance fait que tu tiennes debout. Quel que soit il fait noir, quelle que soit la tempête, quel que soit le courant, l'espérance te gardera en forme. Amen. L'espérance fera que tu ne trébuches point. Et l'amour te rendra agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour te rendra agréable à Dieu. L'amour te rendra agréable aux hommes. Amen. L'amour te supportera et te donnera toute la sève nécessaire pour demeurer en équilibre et en bonne santé. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons exploiter la foi. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11. Plutôt dans Hébreux chapitre 11, je disais. Hébreux chapitre 11, nous allons commencer à lire les versets premiers. Et après, nous allons tirer quelques exemples de la foi pour que nous puissions bien élucider ces passages. La Bible dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous savez, s'il faut parler de la foi, nous pouvons même faire un mois en train de puiser, de parler de la foi. Mais j'ai fait une petite exposée dans le but de te cadrer, parce que certainement, tu as une notion par rapport à la foi. Amen. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, tu as écouté beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements dont on parle de la foi. Ici, je voulais épingler certains aspects qui peuvent être importants aujourd'hui, afin que lorsque tu considères ta racine, la foi comme ta racine, tu saches en faire un bon usage. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. La foi, c'est ton attitude intérieure. Amen. Ça, c'est ma définition. Mm-hmm. La façon dont tu vois Dieu, tu considères Dieu être capable d'intervenir dans ta vie. Amen. Par rapport aux espérances, par rapport aux choses que tu espères. Nous avions dit ceci. L'espérance, c'est par rapport aux choses que tu n'as pas encore vues. C'est par rapport aux choses auxquelles tu aspires. Les choses que tu veux espérer. Tu ne peux pas espérer aux choses que tu possèdes déjà. Cela veut dire que l'espérance et la foi marchent ensemble pour assurer ta survie. En fait, tu n'espères plus au passé. Le mois de juillet, par exemple, est déjà passé. Nous avons clôturé le mois de juillet. Nous avons maintenant le mois d'août. Nous espérons aux choses que nous n'avons pas encore vues. Alors, pour que nous puissions tenir les longs des jours, pour que nous puissions tenir, être en vie, être en forme, à la suite de l'avenir, la foi nous permet de bien affronter l'avenir. Amen. Amen. C'est la foi qui nous attire les choses que nous espérons, les choses que nous voulons. Amen. Amen.
Mais la foi vient de ce qu'on attend, Amen. Dit la Bible. Amen. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Yes. Donc, si la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu, nous pouvons dire la foi vient de où? De la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Cela veut dire que sans la parole de Dieu, on peut dire quoi? Sans la foi. Il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Maintenant, écoutez. S'il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu, cela veut dire que tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas la foi. Et on peut dire que Dieu n'y est pas. Ce sont des logiques mondaines. Ça peut ou ne pas réussir. Mais la foi ne rate pas. La foi tient toujours. Parce que la foi tire sa fondation. Tire son fondement dans la parole de Dieu. Si vous voulez développer la foi, vous avez besoin de la parole de Dieu. Écoute, votre conception de quelque chose, vos attentes pour que Dieu intervienne sur quelque chose, une situation dans votre vie. Écoute-moi très bien. Je dis ceci. Si vous attendez que Dieu intervienne dans une situation de votre vie, ce n'est pas cette attente-là qui est la foi. Non. L'attente-là, quand elle est associée sur une base de la parole de Dieu, c'est alors que ça devient une foi. Vous attendez que Dieu vous visite pour un mariage merveilleux. Quelle est la parole de la foi qui soutient cela? S'il n'y a pas une parole de la foi, votre attente là est vide. Ça n'a pas de fondement. Voilà pourquoi nous sommes contraints à fouiller la parole de Dieu. C'est elle qui nous permet de croître notre foi. Amen. Le jour que tu vas trouver une parole correspondant à ta situation, il y a un soubassement de la foi. Yes. Et ça va fonctionner au nom Amen. De Jésus. Amen. Parce que Dieu tient sur sa parole. Amen. Écoute, où est-ce que tu as placé ton espérance? Il y a des gens qui vivent comme ça, dans le vide, sans la parole de Dieu. Si votre cœur est vide de la parole de Dieu, vous n'avez pas la foi. Ne prétendez pas que vous avez la foi. Et la Bible dit ceci, dans le chapitre 11, au verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire sans la parole de Dieu. Parce que la foi, on ne peut pas parler de la foi sans la parole, oui ou non? La Bible dit la foi vient de la parole. Maintenant, si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la foi. Et la Bible dit sans la foi, il est impossible. J'ai toujours dit, ce n'est pas, la Bible dit qu'il est difficile. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Alléluia. Amen. Et quand c'est impossible, cela veut dire que ne faut même pas essayer, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, parce qu'ils ne voient pas se manifester dans la Bible, dans leur vie, les merveilles de Dieu. Alors que ces gens-là qui sont frustrés parce que ça ne marche pas dans leur vie, ils ne dépensent même pas une minute d'aller méditer la parole de Dieu. Mais vous voulez casser les œufs, faire des omelettes sans casser les œufs. Les œufs. Ma sœur, la boutique de la foi, c'est la Bible. Amen. C'est là qu'on vend la foi. Amen. Yes. La boutique de la foi, c'est la prédication. Amen. La boutique de la foi, c'est les exhortations. Amen. La boutique de la foi, c'est les enseignements. Amen. Dis amen. Amen. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas. La Bible dit, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, je voulais que tu retiennes ça. C'est une révélation qui vaut la peine dans ces siècles-ci. Vous savez, Jésus-Christ a regretté quelque part dans les évangiles, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Écoute, quand le Seigneur regrette de cette façon, il est omniscient, il connaît les enjeux du temps de la fin. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent selon leur imagination. Écoutez, ce n'est pas parce que c'est bon dans ton imagination, c'est bon dans ta conscience, que c'est aussi bon selon Dieu. Non. Dieu n'agit pas par rapport à ce que toi tu veux. J'ai exhorté une sœur. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a des malheurs en Afrique
qu'il y a des douleurs en Afrique. Les gens meurent de la famine. Les gens meurent de guerre. Et il y a la corruption. Que Dieu va être excité pour agir. Non, Dieu n'agit que selon ses formules, selon son modèle à lui. Ce n'est pas parce que toi tu meurs que Dieu va s'élever. Non, Dieu ne va s'élever que par rapport à ce que lui il a dit que je vais m'élever par rapport à ça. Amen. Il ne fait que ce qu'il a dit qu'il fera. Amen. Yes, Lord. He doesn't care about your suffering. Ta souffrance ne lui dit rien. Les guerres, ça ne lui dit rien. Les pandémies, ça ne lui dit rien. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, va les rencontrer dans l'adresse où il a dit qu'il sera. Amen. Amen. Applique les statuts qu'il a annoncés. Applique la parole qu'il a annoncée. Applique les règles qu'il a annoncées. Et Dieu est bon. Il ne nous a pas caché sa volonté. Il a dit à tous ses saints, écrivez. Et nous avons ça aujourd'hui. Amen. Voici la volonté de Dieu. Yes. Ça nous témoigne de la bonté de Dieu. Amen. Au-delà des siècles, Dieu a préservé sa parole. Alléluia. Amen. Il a dit, écrivez. Et lorsqu'il a dit écrivez, cela veut dire, il sous-entendait qu'on étudie, qu'on lise. Yes. Voilà, c'est une malédiction que d'être illettré parfois. Parce que c'est la volonté de Dieu même que les gens lisent. Pourquoi Dieu lui-même a caché sa parole dans les écrits. Quand il a dit écrivez, il voulait que les gens lisent. C'est la volonté de Dieu que les gens lisent. Amen. 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 Sois attentif, bien-aimé. La foi vient de la parole. Amen. Vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. Amen. Sans la parole, tu n'as pas la foi. Qu'est-ce qui soutient ta cause? Si tu crois à la guérison, ce n'est pas parce que tu crois que Dieu guérit. Tu dois croire qu'il y a une parole qui soutient cette espérance de la guérison. Amen. Cette parole, il est écrit, c'est par ses maîtrises que nous avions été guéris. Lorsque tu te réfères à cette parole, ça devient une foi maintenant. Amen. Sans cette parole, quel que soit ce que tu imagines, ça ne va pas fonctionner. Parce que ce n'est pas la foi. C'est ça, la foi. Et quelle est ta foi? C'est de ta foi qu'on peut voir la qualité de ta racine qu'on appelle la foi. Ce n'est pas ta connaissance. Comment est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais de la foi? Quelle conception as-tu de la foi? Enfant de Dieu. Tu vis comment? Quand on te dit, lis la Bible, tu crois qu'on te punit. Comment lire la Bible peut devenir une punition alors que toi, tu as des situations à résoudre? Va fouiller dans les Écritures. Prouve Dieu, amène Dieu sa propre parole. Tiens-le par son mot. Vous savez, si vous voulez mouiller quelqu'un, montrez-le ce qu'il a dit. Vous savez, quelque part, les Français ont dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est-à-dire, tu peux mentir, tu peux renier quand tu dis que non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas dit ça. Mais lorsqu'on a, on a les preuves de ce que tu as dit, que tu as mis ça par écrit, tu ne sauras plus nier ce que toi-même tu as dit, parce que c'est une preuve. Dieu a voulu qu'il y ait des preuves de son testament, de ce que lui-même a dit, pour que lui-même soit juste par rapport à lui-même. Les paroles sont envolées, mais voici. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nier ce que lui-même a dit, mettez ça par écrit. Quand Dieu a dit, mettez ça par écrit, il voulait donner la preuve à toute l'humanité qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on ne dise pas que non, on n'a pas bien écrit ça. Vous savez, le prophète a oublié. S'il a oublié, mais nous avons une preuve, il a écrit ça. Amen. Dieu t'y a dit ça parce que c'est écrit. Nous savons, c'est écrit, cela nous suffit. Si c'est écrit, cela nous suffit. Oh, yes. Amen. Yes. Et lorsque nous possédons la parole de Dieu, nous avons la preuve que Dieu va opérer dans nos vies. Amen. Et c'est ça la qualité de cette racine que nous avons, la foi. Amen. La foi peut apporter de grandes choses. Écoute ceci. La Bible dit,
au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi encore, qu'il parle, quoique mort. Tu as lu ça? Amen. Tu vois la qualité de sa racine? Abel, même mort, sa racine était là. Sa racine n'était pas tuée. La Bible dit que c'est par la foi, alléluia, amen, que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu prouva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est là, les hommes comme Abel n'ont pas lu. Ils ont écouté. Qui les a enseignés? Leur père Adam. Il a dit, écoutez, Dieu a maudit le sol à cause de mes actes. Pour attirer, écoute-moi très bien, pour attirer sa grâce, afin que vous soyez prospères dans cette vie, dans cette terre maudite, faites ceci. Vous devrez lui offrir des offrandes. Ferme ta main, toi qui n'aimes pas offrir les offrandes. Tu dis que oh non, nous sommes au temps de grâce. Là-bas, il n'y avait pas encore la loi de Moïse, ici. C'est une loi spirituelle, parce que la terre a été maudite par Dieu. Dieu a dit à Adam, à cause de toi, le sol sera maudit. N'est-ce pas? La malédiction a été déjà prononcée. Mais Dieu, quand lui-même a maudit la terre, il sait que les hommes vont souffrir. Écoute-moi, Dieu fait des brèches pour assoupir, tant soit paix, alléluia, n'est-ce pas, cette douleur. Alléluia. Il provoque ce qu'on appelle l'acte des offrandes. Alléluia. Pour qu'au travers d'elle, qu'il manifeste sa bonté, Jésus, pour que les hommes, la malédiction s'assoupisse. Mm. Et Adam a enseigné ça à Abel. Amen. Abel a écouté ça avec une foi. Mm-hmm. Il se référait, lorsqu'il donnait les offrandes, il donnait ça non pas pour faire seulement un acte, il se référait à la parole de son père, la parole qu'il a écoutée. La Bible dit, à cause de ça, si tu agis par rapport à la parole, tu vas agir effectivement, tu vas agir avec conscience. Voilà pourquoi tu t'amènes à l'église avec une offrande ridicule qui ne t'honore pas toi-même. Parce que tu ne fais pas ça sur base de la connaissance. Tu ne fais pas sur base de la parole. Tu fais ça comme un acte, comme disent les païens. C'est pour donner au pasteur, c'est pour enrichir les pasteurs. Mais tu es malheureux. Amen. Mais lorsque tu fais ça parce que tu te souviens qu'il y a une parole, tu vas faire ça de manière que cette parole devient une réalité dans ta vie. Amen. Que cette parole t'affecte et ça devient un acte de foi. Amen. C'est alors que tu vas offrir de façon excellente. Amen. 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 La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Nous allons citer beaucoup d'exemples ici. Mais je voulais soulever quelques-uns de ces exemples que le Saint-Esprit m'aide parce que le temps est presque là. Je voulais souligner le dernier exemple pour ce matin. La Bible dit au verset 8, suivez-moi très bien. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit est parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Regardez-moi, mes bien-aimés. La Bible dit, c'est par la foi. Pourquoi c'est par la foi? Parce qu'il y a eu une parole qui était sortie. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Quitte là où tu as grandi. Quitte ce pays et va dans un lieu que je t'indiquerai. Dieu ne lui avait pas dit va ici ou va là-bas. Il dit va. Moi-même, je vais te conduire dans un autre pays. Il a reçu cette parole. Il a obéi.
Il quittait parce qu'il a écouté. La foi vient de ce qu'on a. On a dit. Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as entendu? Obéis-tu à ce que tu as écouté? Obéis-tu à ce que tu as entendu? Abraham sortit comme un aventurier. Ah. Il partait sans savoir où il allait. Écoutez, je prends l'exemple de mon frère Valentin, papa Valentin. Tel que vous êtes là, vous quittez votre pays. Tu prends ton épouse, tes enfants, vous partez et les enfants te demandent où allons-nous. Tu dis, je ne sais pas. Mais parce que Dieu t'avait dit, nous allons quelque part. Il obéit à la voix qu'il n'a pas entendue d'un homme. La voix qui lui parlait alors qu'il ne voyait pas celui qui l'a parlé. Ah. Ah. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Abraham a entendu et il partit. La Bible dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Il y a des choses que nous faisons dans la vie de la foi, les actes que nous posons, qui ne nécessitent pas que nous ayons d'abord des preuves, mais nous faisons parce que Dieu a dit. Nous faisons parce que Dieu a parlé. Nous faisons parce que nous sommes rassurés que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Je fais ceci, même lorsque je prêche parce que Dieu m'a dit, fais ce travail, je vais sauver des âmes à partir de ce que tu vas dire. Que les âmes ne soient, que je connaisse ceux qui vont être sauvés, que je ne les connaisse pas, I don't care. Alléluia. Le problème est que j'ai la foi que Dieu va toucher quelqu'un qui m'écoute. Même après des années, quelqu'un tombera sur cette vidéo et il va croire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons parce que Dieu a dit. Amen. Nous ne faisons pas parce que nous voulons voir les résultats. Non. Parce que nous croyons d'abord que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Amen. Amen. Pose des actes par rapport à ce que Dieu a dit. Yes. Et ta racine, ta foi sera solide lorsqu'elle est bâtie par la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est la foi. Elle est la foi parce qu'elle est bâtie sur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans la foi. Écoute, au verset 9, la Bible dit, c'est par la foi que ce même Abraham veut s'établir dans la terre promise, dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Maintenant, Abraham arrive, alléluia, il arrive où? Dans la terre promise. Hébreux chapitre 11, nous sommes au verset 9. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Par la foi, il a vu la terre promise. Dieu lui a donné cette terre-là par une promesse, n'est-ce pas? Il a hérité l'héritage de Dieu. Mais dans cette terre promise, Abraham habite comme un étranger. Alléluia. Amen. Nous allons développer ça bien après. La Bible dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur. Écoutez bien, aimé. Vous savez, dans la vie de la foi, il y a des choses que nous allons comprendre au fur et à mesure que nous progressons. Par la foi, il a obtenu les promesses de Dieu. Amen. Mais par la foi même, il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui a donné. Vous voyez, Abraham était riche. C'était un homme riche. Vous allez lire les livres de Genèse. Vous allez voir ça. Il n'était pas pauvre. Abraham a si armé 300 hommes. Écoute-moi, 300 hommes. Il les a entraînés militairement.
et il a pillé les armées pour combattre 5 rois coalisés. C'était un homme puissant de son époque, ne vous en faites pas. Est-ce que tu vois ça? Il a pu traîner, c'est-à-dire donner les entraînements militaires à 300 hommes. Et il les a pu armer, les nourrir, les mettre prêts à aller combattre. Et les 300 hommes-là se sont battus contre 5 armées, 5 nations réunies. Et ils les ont terrassés, ils les ont infligés une défaite historique. Et vous croyez que c'est un petit homme? La Bible parle de la foi de Noé, qui écouta Dieu. Noé a fait quoi? Au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Est saisi d'une crainte respectueuse. Construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a écouté Dieu. Dis-moi amen. Dieu lui a dit, construis une arche parce que je vais faire tomber les déluges. La Bible dit, on n'avait pas encore vu ce phénomène-là. Mais il était divinement averti. Noé a crié Dieu alors qu'il n'avait jamais vu les déluges. Il commença à construire l'arche, un bateau, dans le sol, dans le village. Il n'était pas auprès d'un rivière ou d'un fleuve. Par la foi, les gens de son époque trouvaient en lui un fou, un illuminé. Ils disent, pourquoi tu dois être consacré à faire ça? Et regarde, Dieu lui donne lui-même les dimensions de l'arche. Il ne dépendait pas des moyens de Noé. Dieu lui dit, il impose les dimensions. Je me suis tout demandé, est-ce que Noé était un millionnaire ou quoi? Où est-ce qu'il doit attraper l'argent pour couper les arbres, faire des planches comme ça, avec de telles dimensions? Dieu a exagéré les dimensions. 3 niveaux, un bateau à 3 étages. Et Dieu ne lui a pas remis même un clou, même un seul clou. Dieu, je vais faire, mais avec quel compte en banque? Dieu dit, fais. Et lorsqu'il obéit à la parole de Dieu, il a pris à achever ce chef d'œuvre-là. Dis gloire au Seigneur. La foi, c'est lorsque tu écoutes Dieu et que tu exécutes ce qu'il t'a dit. Même si c'est impossible, Dieu, s'il te dit quelque chose, lui-même, il sait pourvoir au moyen. Noé a fait quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, les gens commencent à vouloir imiter les dimensions, les matériels de ce qui a été l'arche. Et ils les construisent, ils disent que ce n'est pas un travail facile. Mais à son époque, Noé a pu réaliser ça. Était-il un ingénieur? Était-il qui? Lorsque vous considérez l'œuvre, vous pouvez voir qui était cet homme de Noé. Il n'était pas un petit homme. Il n'était pas un pauvre surtout. Parce que pour s'acheter tout ça, vous allez couper de l'arbre dans la forêt et faire déplacer ces planches-là de la forêt jusqu'à l'endroit où il était. Ce n'était pas facile. Il y avait des arbres pour aller chercher ça, ça faisait des kilomètres. Et Noé payait les travailleurs avec un rêve de folie de son époque. Mais écoutez, lorsqu'il a écouté, il tremblait. La Bible dit, saisi d'une frayeur divine à cause de la parole. Tremblait-il parce que Dieu a dit, ne commets plus de péché? Tremblait-il parce que Dieu a dit, ne fais pas ceci? Comment est-ce que tu trembles? C'est ça ta racine. Quelle est la qualité de ta racine? Voici un peu ces hommes ici. Nous allons continuer le dimanche prochain parce que le temps est là. Amen. Mais commence à contempler la qualité de ta foi. Comment est-ce que tu réagis par rapport à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu réagis par rapport à l'insigne de l'Éternel?
Aujourd'hui, on te dit de prier. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu pries avec cette peur-là parce que Dieu nous a dit de prier? Est-ce que tu pries avec, tu agis avec cette peur-là, cette crainte-là? Écoute bien, aimé, les gens aujourd'hui sont distraits alors que Jésus revient bientôt. C'est de la même façon que Noé a écouté que les déluges vont fondre. Jésus-Christ a dit, ça sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles. Mais quand le déluge est venu, ils étaient surpris. C'est comme dans ces siècles. La Bible dit, quand les gens diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra tous. Mais toi, tu as écouté. Comment est-ce que tu te comportes par rapport à cette parole? Comment est-ce que tu prends soin de ta foi, de ta vie chrétienne? Je sais que le Seigneur t'a parlé ce matin. Tant soit paix. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Pour que ces paroles soient scellées de la grâce. Amen. Ça dépend de la façon dont tu accueilles ces paroles. Amen. Mais examine bien ta foi. Est-ce que tu écoutes bien? Comment tu réagis par rapport à l'insigne de l'Éternel? Parce que Dieu a dit comment est-ce que tu fais. Est-ce que ton cœur bat-il par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire? C'est là la qualité de ta foi. Et la qualité de ta foi attirera les miracles que tu veux voir. Il n'y a pas de miracle sans la foi. La bonne qualité de la foi, la bonne percée, la bonne miracle. La mauvaise qualité de la foi fera que même ta vie chrétienne ne tiendra plus longtemps. Tu vas te fatiguer des choses de Dieu. Et tu vas devenir comme ceux-là qui sont décis, disent que non, ça ce sont des choses inutiles. Leur qualité de foi était-elle, était-il bon? Tu as écouté Dieu ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as parlé encore ce matin. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour la parole qui vient de sortir. Je te bénis et je bénis cette parole. Que cette parole soit assaisonnée, assortie d'excellente grâce et de faveur au nom de Jésus. Je scelle cette parole par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Que tous ceux qui l'ont entendu et tous ceux qui l'attendront dans l'avenir fortifient leur foi et que leur foi devienne de bonne qualité afin que leur qualité de vie change au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Reçois les faveurs de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Marche la tête haute. Rayonne de gloire. Rayonne d'excellence et rayonne de magnificence pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, que tu ne sois pas atteint. Amen. Et que tu manifestes la grâce de Dieu partout Amen. Où tu passeras. Amen. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de tes pas, maintenant jusqu'à la fin de tes jours. Soyez bénis le matin, Amen. Soyez bénis à midi, Amen. Soyez bénis le soir, Amen. Soyez bénis la nuit. Amen. Et que rien ne trouble votre paix, Amen. Que rien n'enlève votre joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.